J'étais dans un lycée à Port-en-Truy. Je sentais en moi que c'était pas mon truc, les études. Et puis, je me rappelle toujours, la rectrice, elle m'a dit « Mais pourquoi tu vas arrêter? Ça va bien, t'as des bonnes notes, tu passes l'année, tu vas réussir ta matu. » Puis moi, j'y ai dit « Mais vous savez, j'y ai montré mes mains. Elles étaient peut-être un peu plus belles que ça, mais elles étaient aussi grandes que ça. J'ai montré mes mains, j'ai dit « Mais ça, c'est pas des mains qui peuvent... Je crois que j'ai besoin de les servir, ces mains. » Et puis, du coup, elle m'a plus rien à dire, et voilà. C'est long, hein. Et puis, comme tu avais mis plus de garniture, ça a bien plu, c'était tout. C'est resté longtemps joli. Extra. Voilà, mon gars. En avant. On pourra gentiment y aller. Hop. Mon arrière-grand-père était maréchal, mon grand-père était maréchal, et mon arrière-arrière-grand-père était charron. Alors, les chevaux, on en a déjà vu défiler, quoi, dans la famille. Tu veux commencer par où? Prends devant. On sera devant, ouais. Ça sera quand même bien fendu, tu vois, là. Ouais, là, il est sec. On voit plus, enfin comme ça. Non, toi, tu peux pas voir. Tu laisses le gant. Vous imaginez pas ce que Boubou peut faire. Oui, exactement. Un cheval, tu peux pas dire tac, j'ai la solution pour ce cheval, tac, j'ai celle-là. Non, je l'ai peut-être. Il faut être très humble quand on est maréchal. Il faut vraiment rester à sa place. On travaille avec des êtres vivants, donc il faut rester le plus simple possible, le plus naturel possible. Je ne vais pas y mettre trop de garniture, parce que ça va les arracher. Give me this one. Come on, boy. J'ai remis les pointes, là, parce que... Tu sais, il a aussi des pointes, là. Voilà, ça, il s'est un peu affaissé, hein, quand même. Ouais. À quel âge, lui? 22. Je comme mon car. Oui, il me rattrape dans l'âge, je crois. On est vraiment dévu quand on part en balle. On s'imagine quand on voit une bête de 500 kilos, tu dis oh là là, ça doit être. Mais c'est très 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 sensible. Et puis cette sensibilité, moi j'adore ça. J'adore les chevaux sensibles. Avant qu'ils viennent. Voilà. Boubou, c'est notre maréchal, fétiche. Et ça fait 15 ans qu'il perd nos chevaux. Et le courant est tout de suite passé. Extra, bon. Tu peux lâcher? Ouais. Olivier, il a chaussé ce cheval au mieux. Au plus proche qu'il pouvait le faire pour qu'il aille bien. Et au fur et à mesure des ferrages, il a toujours amélioré le ferrage. Et ce cheval, ça fait... ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'il ne boite plus. Grâce au bon ferrage à Boubou. Thank you.
la personne qui m'a donné cette passion, c'est Henri. Henri, mon beau-père maintenant. C'était, je pense, ancré au fond de moi. Et puis, il a fallu qu'on dévisse deux, trois boulons pour que ça sorte. Et puis, lui, il en a dévissé pas mal, mon beau-père. Moi, j'ai 72 ans, alors je suis à la retraite, hein, c'est clair. Mais pour moi, la retraite, c'est comme si j'avais pas de retraite. Hein. J'ai toujours continué de faire. Mais je fais parce que j'ai le plaisir à faire, et c'est pas pour... Mais j'en fais tous les jours un ou deux, je crois. Aussi longtemps que je suis en forme et que je peux le faire, je le ferai, parce que ça m'occupe. Ça me fait une, deux heures de jour, par jour. Le matin, je vais faire un cheval, je bois le café, puis après, je rentre, c'est midi, par exemple. En arrière, hop, reculez un petit peu. Encore, bien. En arrière, hop, en arrière. Voilà. Il a appris le métier. Au début, il est venu, il sortait de Saint-Charles. C'était un étudiant. Il ne savait pas tenir un marteau. C'était pas de sa faute. Hein. Il a tout appris. Mais il a appris. Il a appris à faire le paysan. Il a appris à ferrer. Il a appris à aller avec le tracteur. Il a appris à faire tout ce qu'on fait. Nous, il l'a appris petit à petit. Puis maintenant, il sait aussi le faire. Sonne, hein, encore celle-là. Elle sonne bien. Elle a un beau ton, elle a rien qui est fendu dedans. C'était celle où... À mon arrière-arrière-grand-père. Chaque enclume a une âme. Et puis je pense que... Parce qu'on a forgé dessus, on a donné, on a tout donné. Vous savez, de forger, c'est dur. Il y a de la sueur, il y a de la... Tu viens noir... T'as les veines qui ressort, tu dois te donner, une fois tout d'un coup ça gicle, t'as la pince qui part, ouais c'est dur, c'est un roc une enclume quoi, il faut la maîtriser, il faut savoir quoi, et puis c'est ça cette âme, et puis elle est là, et puis ouais. Voilà, il y a mon papa qui a retrouvé une vieille photo de mon arrière-arrière-grand-père. Là, je voulais quand même te la montrer parce t'as vu cette photo. Elle date de 1875. Ouais, ouais. Il était, c'était pas un petit, hein? Non. C'était une pièce. Moi, j'ai des photos ici aussi. Ça, c'était quand j'étais à l'école de recrue, regarde. Ça fait rien. Vous forgez à trois? Oui, on forge à trois marteaux, là. On était en train de forger des lopins. Tu vois, on se relayait, on faisait un tournus. Et vous tapiez à trois. On tapait toujours à trois marteaux, il y en avait toujours un au feu. Quand j'entends mon beau-père raconter sa vie de maréchal, t'as le poil qui se dresse parce que un gars comme lui qui a vu un peu toute une génération de la maréchalerie, hein, tu te dis, ben, on n'a rien inventé, ils avaient déjà tout, ils savaient déjà plus que nous même. On a juste modifié quelques trucs, mais voilà, c'est ça qui est beau. Puis faut continuer quoi, il faut pas croire qu'on va tout révolutionner. Stage avec Henri, on parcourait tout le Jura, le Jura bernois, Neuchâtel, Chaux-de-Fonds, et puis ça m'a, ouais, puis tu voyais des écuries ici, tu voyais un poulain, tu voyais un cheval de concours, tu voyais des étalons, il y avait toutes sortes, des ânes, t'allais chez chaque client était différent, et puis ça m'a déjà plu parce que ça me faisait penser un peu comme au forain. Parce que ma famille, c'est du côté de ma grand-mère, c'est des forains. C'est aussi des gens du voyage qui vont à gauche, à droite. Puis ça m'a toujours plu, les gens du voyage. Oh. Voilà, viens.
Ouais, il est brave. Il est brave. Il est brave. Oui, voilà. Ça, c'est un brave Kiki. Voilà. Eh ben, ça va, il n'est pas trop farouche, celui-là. Hein? Il va pas mal. Tu vas bien. Doudou. 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 Voilà, doucement, doucement. Ça va aller. Un bon maréchal, c'est quelqu'un qui voit du poney aux franches montagnes, au poulain, au cheval de grand prix, au quarter horse. Celui qui fait tout ça, il prend une expérience folle. Peut-être le poney que t'as paré la semaine passée, il va peut-être t'aider pour le cheval de grand prix dans un mois. Je vais essayer droit derrière, là, vu que je suis du bon côté. Viens, Vivi. Viens, Vivi, viens. Le pied, gentiment. Allez, le pied. Voilà, gentiment. C'est bien. Doucement. Voilà. Voilà, c'est rien. Voilà. Viens, 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 viens. Voilà, la Mimi. Et bravo, c'est bientôt fini. C'est tout de suite fini. Il est venu en stage chez mon papa pour apprendre la maréchalerie. Et moi, je m'étais dit, ben voilà, il doit aussi s'ennuyer ici, parce qu'il n'y a pas, ben forcément, il n'y a pas grand-chose à part à la maison et tout, mais il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de... Donc moi, je lui disais le soir, ben écoute, est-ce que tu veux venir à cheval avec moi? Voilà, il a vraiment une histoire qui a commencé, quoi. Je suis horlogère, je travaille à Satimier. Ben, je travaille du lundi au mercredi midi. Et puis à midi, je finis ma semaine là-bas. Et puis ma semaine, elle commence ici. Alors mes collègues, ils me disent toujours « bonnes vacances » le mercredi midi. Mais je crois que... Enfin, si, je pense qu'ils se rendent compte. Mais quand j'arrive ici, c'est loin d'être les vacances, quoi. Je me retransforme en une autre personne, en fait. Où je deviens un peu une... Voilà, où on s'occupe de nos animaux, de nos pâturages, de faire les foins, de faire les regains, d'aller faire les boxes, d'aller en tracteur passer la herse. Je suis un peu multifonction, quoi. Voilà mon grand. On va retenir de la paille. On va retenir de la paille. Les chevaux pour les enfants, pour nos enfants, je pense que c'est vraiment une école de vie, quoi. Que ça soit avec mes parents ou avec ma sœur, je suis assez j'aime bien faire des câlins, tout ça, puis du coup j'aime bien le faire aux chevaux, enfin voilà quoi, comme ils donnent beaucoup d'amour, ben t'as aussi envie de leur donner beaucoup d'amour aussi, quoi. J'aime leur parler, j'aime être en contact avec eux. Je leur raconte quand je suis triste, quand je suis contente, ou des histoires avec mon école. Ou... Je trouve que c'est aussi bien quand je vais à cheval, par exemple. Ça... Enfin, j'oublie tout, je pense plus qu'à mes chevaux. C'est un peu comme des psys.
qui nous écoutent. Puis je sais qu'ils pourront jamais raconter ce que je leur dis, en fait. C'est des secrets, et ils pourront jamais leur dire à personne comme ça. Ça me délivre aussi de parler, pas que avec des humains. Voilà, j'aime bien. Voilà. C'était l'ancien à mon papa, puis du coup maintenant ben, c'est mon cheval préféré, quoi. C'est mon cheval de cœur. C'est un peu. Ouais, c'est mon préféré, quoi. Le matin, quand j'arrive, c'est celui-là que je viens voir en premier. Puis je le connais tellement bien, en fait, puis il me connaît tellement bien que je pense que c'est un peu une relation de confiance, surtout. Il sait que c'est le prince, là. C'était la ferme de mes grands-parents. Mes parents, ils habitent aussi ici. Ça s'est vraiment passé de génération en génération, de mon grand-père à mon papa, à nous. C'est à peu près tout, quoi. Il y a trois générations qui sont tout le temps ensemble. Il l'avait sauté, ou bien. On l'a mis devant Florence avec le grisou. C'est aventure 4x4. C'est 4x4 qui allait partout. Mais c'est vrai, on te mettait devant. Il allait toujours. Lui, il regarde rien. Non, non. Il passe tous ses. Il est sûr, il a le pied sûr. Hein. Et qui me dit et ton grillé. On vit, on parle, on penchole. T'en as un qui est blessé, ben voilà, on parle de ça. T'en as un qui va aller au concours, ben, ah, t'inscris ça. A dit, au fait, je dois mettre ces guêtres-là. Mais il y a des gens, ils se disent, mais ils sont fous, ces gens. Ils parlent que de ça, ils font que ça, ils sont chiants, quoi. Mais voilà, c'est comme ça, on vit, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, les chevaux. Et quand on aime, ben voilà, il n'y a pas de problème. Tu dessines la paix dans mon cœur, quelle douceur infinie. Nan, je veux garder ce sentiment dans mon cœur pour la vie. Moi, le cheval, c'est noble, c'est la noblesse. Je trouve que c'est majestueux, c'est le respect, quoi. Il
Déjà, si tu as le respect du cheval, tu crées un lien avec ce cheval que je vais faire et il faut l'aimer, ce cheval. Moi, je suis un enfant de la joie et puis je suis toujours à Joulot à fond. Et il m'a fallu 10 ans pour que je me fasse au Mont-Soleil. Pas que le Mont-Soleil se fasse à moi, moi. Que moi, j'aime les sapins du Mont-Soleil, que j'aime la neige du mois de mars, avril, mai. Maintenant, je pourrais pas quitter mon Mont-Soleil, parce que le Mont-Soleil, quand je dis Olivier Boulanger de Mont-Soleil, je suis fier d'être de Mont-Soleil. On est des Mont-Soleil, on n'est pas des Saint-Imier, on est des Monceaux, on est des Montagnards. Moi, je suis fier, je suis très fier, je partirai. Non, je pense que je repartirai plus jamais du Mont-Soleil. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ils sont où ces chevaux? Là, devant vous. Bien. Voilà. Davina. Les chevaux en général. Vous les mets là, hein? Oui. Bien. Voilà. Elle a des palmes. Rien t'es dit. Et ça faisait combien? 6 semaines? Au moins, vous venez ici pour quelque chose. Ah, moi, je viens jamais pris, hein? Hein? S'il n'y a rien, je peux déjà dîner, c'est déjà pas mal. Parce que ce qui ne vaut rien. André, c'est un client particulier bizarre, hein, qui me tient à cœur, ouais, qui est cash. Moi, j'aime bien ces gens qui sont cash, ces gens qui disent la vérité, qui sont là, et puis qui sont. Il n'y a pas de filtre. C'est le bourru, c'est un peu le gros nounours, le gros ours, mais c'est un petit nounours. Il a un cœur énorme comme ça. Tu peux tout lui demander. Il faut juste la façon de lui demander et puis il va tout nous donner. Comme ça, s'il vous plaît. Moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il a beaucoup de chevaux. Il y a des chevaux comme le mien qui valent rien. Comment ça qui va aller? C'est un cheval, mais c'est non, pas un cheval de course, c'est pas un cheval de saut. Exactement. Et puis là, il ne fait pas de différence. C'est ça qui est bien. Il a beaucoup d'amour quoi pour ses bêtes. Il a presque plus d'amour pour les bêtes que pour les gens. Moi, je ne pourrais pas avoir des poulains et les amener à la boucherie, ça c'est clair. C'est pour ça que j'ai beaucoup de bestioles. J'ai une quantité de moutons. On me dit, mais il faut les vendre. Mais j'arrive pas. J'aime aller chez les gens, j'aime discuter avec le client. Puis ça, c'est le plus beau métier du monde pour moi, quoi. Bon, prenez des pommes de terre, allez-y. Je ne peux pas vous servir. Je vais déjà vous servir, voilà.
Santé, hein. J'ai plein de toucher. C'est très bon. C'est dommage du peu, mais c'est très bon. Gardez devant vous, non? Vous finirez votre assiette. Le Franche-Montagne, c'est un cheval qui me prend quelque chose dans ma vie parce que je vis autour d'eux, quoi. Et puis, bien sûr, il y a le marché concours, c'est la grande fête du cheval. Et puis, quand moi, je vois cette image, tout ce monde, tous ces éleveurs qui arrivent avec ces poulains, il y a 400 poulains qui arrivent, ils les présentent. Moi, j'ai les larmes aux yeux chaque année parce que ça, pourtant, moi, ouais, je sais pas, ça te prend les tripes, quoi. Faut juste pas que les chaussettes elles prennent. Voilà. Yeah. Moi quand je suis un peu en concours, je suis pas tout à fait le même parce que je suis quelqu'un de. Ouais, je suis très concentré. Non, on avancera après, de toute façon on recule tout le temps. C'est pas le même boubou qu'on voit le lundi matin. C'est pas le même. J'adore, j'aime bien la compète parce que j'ai cet état d'esprit, comme je m'imagine comme une personne qui a guerrier, qui a peur de rien, qui en veut, qui. Et puis moi c'est ça que j'aime. D'être serein, d'avoir confiance en soi, de se battre jusqu'au bout parce que moi je suis un battant, parce que ouais, je me motive à fond, tu dois être motivé. Et puis surtout, les chevaux. Si tu crois en toi, le cheval, il va croire en toi. On est comme ça. Non, pas droit comme ça, mais c'était super. Il a fait un super parcours. On est toujours soulagés quand ils finissent le parcours, oui. Comme il faut, qu'ils ne tombent pas.
Des bars, on s'en fiche, mais on aime bien qu'ils arrivent entiers à la fin. Tous les copains, tous les amis, tous les gens qui sont là, alors c'est trop beau. En plus, avec un cheval qui est né chez nous, en plus, j'avais monté sa mère ici, c'est ce que je me disais encore. J'ai fait plein de classements avec sa mère ici, puis maintenant je monte son fils, qui me donne autant que sa mère. Ça, c'est encore mieux que gagner une épreuve, quoi. Chez lui, c'est sa droiture, son honnêteté. C'est quelqu'un qui triche jamais, qui est très sensible. C'est une personne qui montre beaucoup. Moi, il me montre tous les jours qu'il m'aime vraiment. Puis moi, c'est la même chose. Moi, je ferais tout pour lui aussi, quoi. C'est vraiment... on a toujours été comme ça, quoi, à vivre l'un pour l'autre. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de trouver cette famille. Moi, j'ai déjà eu de la chance d'avoir des super parents qui m'ont donné l'amour, qui m'ont donné de la vie et l'amour surtout. Et puis, j'ai pu la redonner à mes enfants et puis à ma femme. Et puis, c'est ça, la philosophie, c'est de donner l'amour. Donner tout ce qu'on peut donner en amour, je trouve que c'est presque mieux de recevoir. Quand t'as un peu ce terre, tout à coup t'es dehors, et puis t'as un petit peu un vent chaud, et puis toute cette nature autour de toi, et puis t'entends les oiseaux, t'as quand même ce côté... tu sais que t'es chez toi, que tu te sens bien, que t'es à ta place, et puis que t'aimerais pas être ailleurs, en fait.